De là où l'ambiance c'est du vent offshore ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon dimanche. On commence la journée avec un temps qui est dégagé à brumeux, mais la visibilité est nettement suffisante pour aller surfer. La température extérieure est à 2, celle de l'eau à 14-15. Cet après-midi, soleil, température à 8. La marée est actuellement en train de commencer à descendre. Le plein bas est à 14h15 avec des coefficients de 7. Sur ce début du descendant, le vent est offshore avec un secteur S faible. Il y a un beau fort, le plan d'eau est ridé, les phases de vagues sont lisses, la houle est très propre. Une belle houle longue de 13 secondes de période orientée ouest-nord-ouest à ouest qui tourne là sur la bouée cachant Gascogne dans les 2 mètres et 1 seconde. La bouée du Cap Ferré à 1,50 m en moyenne. Et là, en termes de taille de vague ce matin, pour le moment, il y a 1 mètre en déferlement régulier. 1,30 à 1,50 sur la majorité des séries. Mais je pense que d'ici 9h, 9h30, 10h, là, il y aura 1,80 à 2 mètres sur les gros 7. Vu la taille sur la bouée, j'espère pas me tromper, mais je pense que ça va faire ça. Là, pour le moment, les vagues, elles sont juste à la hauteur d'une personne. Ça commence à descendre, ça s'arrange petit à petit, ça arrive à passer par moment. La barre est facile à franchir, les vagues sont moyennement sélectives à réserver pour des surfeurs intermédiaires à confirmer. Il y a déjà pas loin de 5 personnes à l'eau sur les meilleurs endroits. Et les vagues sont assez jolies, ça vaut la note de 3 sur 5, pas loin de 4 sur 5 sur les meilleurs bancs, hein, je pense. Vous voyez, celle-là, par exemple, là, il y a des jolis pics. Et là, sur le descendant, ça devrait s'arranger sur la majorité des spots. Il y a carrément de quoi glisser, il faut en profiter. L'évolution pour le reste de la journée, ben c'est un train de houle qui va légèrement baisser à la mi-journée, à peu près se maintenir en soirée. Il y a encore de la taille et de la période sur la bouée côtière de Brest qui est en train de regrossir à 2,20 m et 11 secondes. C'est ce qu'on aura ce soir à la Cano. Le vent, il va rester offshore toute la journée. Les prévisions à 13h, c'est donc légère baisse, 1,80 m, houle ouest-nord-ouest à ouest, 13 secondes de période, vent est-sud-est à 1. Et à 17h, légère baisse, 1,50 m, 1,80 m, hein, je pense. Houle ouest-nord-ouest à ouest, 12 secondes de période, vent d'est à un beau fort. Mais il y a des conditions propices toute la journée, mais à marée basse, les bancs de sable, ils sont pas dingo. Je pense que le meilleur créneau, il est quand même ce matin, là, sur les meilleurs bancs, sur le début du descendant. Le prochain point, il est tout à l'heure.